Salut à tous, Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui, je suis à Knokke en Belgique pour le Zoot. Alors le Zoot, c'est un événement incroyable. C'est la première fois que je viens. Je viens exprès pour ça. Donc il a lieu tous les ans, donc à cette époque-ci. Je zoote autour parce que c'est un truc de malade, je vous expliquerai après. Donc c'est, alors il y a plusieurs choses. Il y a des voitures exposées, il y a une vente aux enchères, donc je ferai plusieurs vidéos. Alors regardez, Jaguar, ça arrête pas, c'est un truc de malade. Bref, je sais plus où j'en étais du coup, enfin voilà, il y a pas une Bentley qui arrive encore, enfin, c'est la folie, regardez derrière, Continental GT. Du coup ça m'a perturbé cette histoire. Il y a des ventes aux enchères, il y a des expositions, il y a un rallye, enfin il y a vraiment des voitures de malade, vous allez voir. Ça va être un événement de dingue. T'arrêtes pas. Bref, allez, c'est parti. Alors là, on est vendredi soir à Knokke. En arrivant, déjà, j'ai vu une Bugatti Chiron, le truc de malade. Et là, on va faire un petit peu de car spotting. Là, on a une Lotus Esprit. Il y a vraiment de tout. Là, on a une petite Lotus Exige. On reste dans les Lotus en même temps. Bon, du coup, c'est un truc de dingue là. J'étais à peine arrivé, donc je suis tombé sur une Bugatti Chiron déjà. Hein, ça met dans l'ambiance dès le départ. Je regarde un peu en même temps parce que. Et j'ai déjà vu des voitures de malades. Alors, le moins top que j'ai vu, entre guillemets, c'était une GTC 4 Lusso, donc qui est déjà le moteur incroyable. Et j'ai aperçu une 250 GT California SWB. Je sais pas si c'était une vraie ou pas, mais je l'ai vu là. J'avais pas. Ça ronronne de partout, là. Il y a une Ferrari qui arrive encore, un truc de dingue, une Roma qui arrive, je la filme. Putain, là-bas il y a une AC Cobra qui vient de passer, et là regardez, là, on l'entend même, l'AC Cobra, oh là là. Là on a une AMG GT, je ne vais pas gêner les car spotters parce que du coup vous imaginez bien qu'il y a plein de car spotters. Ah, il y en a une deuxième derrière, c'est un truc de malade. Regardez ça, regardez-moi ça. L'alignement. Oh, là, le petit Maserati derrière, il a l'air de rien. Quoi. Quand je vous dis qu'il y a de tout, je rigole pas, hein, il y a même une Diane. Stan Martin V8. Volante, un roadster plutôt. Voilà la Huracan. Désolé, c'est filmé à l'arrache. En fait, je suis en train de chercher à manger, mais en fait, pendant ce temps-là, ça arrête pas de passer. Je suis obligé de vous filmer. Là, on a une Ferrari 328 GTB. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Il y a tous ces trucs qui passent. Bon là vous avez vu, la nuit est tombée subitement, là en fait j'ai mangé entre temps. Ferrari GTC 4 Lusso. Et sans rire, le temps de manger là, alors j'ai mangé vite fait un burger, hein. J'ai pris un truc rapide. J'ai vu passer au moins 4 ou 5 Ferrari, Lamborghini Urus, Bentley, enfin de tout. Et tenez, qu'est-ce que je vous disais que ça arrêtait pas? Regardez. Ah bah voilà, le Urus que j'ai vu passer pendant que je mangeais, il est là. Hop, la GTC 4 Lusso qui repart. La rotée. Wow. Quand une AC Cobra en rencontre une autre, c'est un truc de dingue. La deuxième, pur hasard. Bon alors là nous sommes le samedi matin et je commence avec un petit peu de car spotting là, avec cette Roma, Ferrari Roma. J'en ai pas encore vu beaucoup dans la rue. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et à côté, nous avons une F8 Tributo.
Magnifique petit combo là, sympa. Et vous me croyez ou pas, mais la première Ferrari que j'ai vue ce matin, c'était une F430. Comme quoi, là, ça me poursuit en ce moment. Et peu de temps après, j'ai raté, j'ai pas réussi à le filmer. J'ai été surpris, un Puro Sangue qui est passé à côté de moi, un Rosso Corsa, magnifique. Cette Martin fait un bruit de Ferrari. Ferrari 330 GT. Ouais, c'est assez rare ça. Mercedes 300 SL Gullwing, la fameuse porte-papillon. Et ici on a la même en cabriolet. Préférez laquelle? Moi je préfère la coupée pour le coup. Enfin celle-là elle est très belle aussi. Mais comme je suis encore un gamin dans ma tête, juste pour les porte-papillons, je préfère la coupée. Ah ben, on en a une deuxième ici, à 1 million de pièces, un minimum. C'est quand même pas mal. Là on a une Aston Martin. Sa petite sœur, la 190 SL, qui est magnifique également, mais beaucoup moins chère. Jaguar Type D. Si c'est une vraie, mais ici c'est bien possible. Ça vaut une petite fortune. Ça c'est les voitures des 24 heures du Mans. Qui ont eu des palmarès d'ailleurs. Alors là c'est compliqué de filmer parce qu'il y a beaucoup de monde autour, mais regardez, cette magnifique Ferrari. Alors là je saurais pas vous dire le modèle comme ça, c'est un peu compliqué le modèle de ces années là. Je vous le mettrai en commentaire. Cette Bentley là elle est énorme. Bentley, les 24 heures du Mans également. Ça. Oh là là. Lamborghini Huracan STO. Mercedes AMG GT, enfin, en fait ça arrête pas quoi. Oh. Oh, c'est vraiment la folie ici, regardez, là, on a une Mercedes SLR McLaren. La SLR Roadster. C'est hyper rare ça. Et là derrière, un peu plus loin, limite on s'en fiche, on a une Ferrari 328 GTS. Et là, regardez la plaque, 328 Red. Excellent. Et ça n'arrête pas ici, c'est un truc de dingue. Huracan. Huracan Spider. Là, la SLR là. Ça arrête pas, regardez, de son croise ici, c'est un truc de dingue. Oh là là, il y a encore une STO qui arrive là-bas. Une Huracan STO qui débarque encore. Oh, c'est la folie pendant le Zoot, pendant le Grand Prix ici, c'est vraiment un truc de dingue. Regardez ça, c'est pire qu'à Monaco. Qu'est-ce qu'elle est belle la STO. Allez, on continue avec une Portofino blanche. Et là derrière, attendez, je regarde déjà la Portofino là. Donc là, on a une Porsche. Alors, comme je connais rien, je vais pas savoir vous dire ce que c'est. Vous allez savoir mieux que moi. J'attends qu'elle avance pour regarder à l'arrière. Là, un RV, hein. C'est une GT3 RS, ok, tout simplement. Petite Lancia Fulvia là, il n'y a pas que des supercars, hein. Il y a de tout. Il y a la Lamborghini Huracan STO verte là-bas qui revient. Elle est énorme, et regardez, mais ça arrête pas. Petite Portofino, il y a beaucoup de Portofino. Ah, mais je crois qu'il y a un autre qui arrive. Parce qu'en fait, j'étais posté pour attendre un abonné qui doit m'emmener faire un tour dans sa MGA. Là, je vois une MGA qui arrive. Regardez la STO là, incroyable. Bon, je traverse du coup. Petite Rolls Silver Shadow RS6 Bentley Continental GTC, très belle config. Ah bah une petite MGA avec le hardtop. Petite Porsche GT3 RS Huracan Performante. Dinguerie.
chasser Cobra. Petite GTS Turbo. Lamborghini Urus. C'est énorme. Là, une Mustang, ça n'arrête pas, c'est vraiment de la folie. Là-bas, je vois, il y a une Ferrari California aussi. 488 Spider. Là, on a un combo assez marrant. Donc là, on a une Fiat 500 Abarth. Et à côté, on a une 488 Pista Spider. C'est énorme. Petite Nissan GTR. Ferrari F12 Berlinetta. Et à côté, c'est rare qu'on en voit dans les rues, mais c'est une Ferrari 400. Alors je vais vous dire exactement. 412 celle-ci. Entre 400 et 412 de l'extérieur, c'est compliqué de faire la différence. Pour les fans, on a une M3. Et je vais traverser parce que là on a une Huracan STO. Magnifique. Config de malade. Il y a quelques Ferrari sympas qui arrivent là. F12. 488. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Nissan GTR qui vient de passer là, ouais. Bref, j'étais sur le point de vous filmer cette Automazo Pantera, une voiture que j'adore. J'ai toujours trouvé magnifique cette voiture. Encore une STO. Il y en a plein. Du coup, je vous refilme un petit coup la GTR. La Skyline plutôt, toujours GTR, avec les vélos qui suivent en filmant. Ah bah on va pouvoir avoir un démarrage de la STO, dis donc. Nom de Dieu, nom de Dieu, ça y est, j'ai retrouvé Bugatti Chiron, les amis. Oh là 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 là, attendez, parce que là je suis en contre-jour. Là, ça va être la folie. Attendez, essayez de pas me faire écraser. Oh là là. Regardez la folie qu'engendre cette voiture. Il y a des gamins partout autour, enfin pas que des gamins, parce que moi d'ailleurs j'en fais partie. Regardez ça, les gens. Ils sont dingues dès qu'il y a une Bugatti qui passe. C'est normal. Regardez, regardez. Tout le monde court derrière. Allez, la folie continue avec cette F12 TDF. Ah, décidément, le zoot, c'est vraiment un truc de dingue. Et ça continue tout doucement. Deux petites Lamborghini, Huracan Spider. Excusez-moi, vous êtes célibataire. Et une Aventador. Aventador Roadster. Ah, j'avais pas vu que derrière, alors désolé, c'est très compliqué pour filmer entre les spotters, les vélos et tout. Et là, donc on a une Dax Series. Petit trauma là, petite STO là, là pour changer un petit peu, petite Lotus Elise, petit
petite pista spider. McLaren. Alors là, on a une Maserati MC20. C'est la première que je vois comme ça dans la rue. J'adore cette voiture, elle est vraiment magnifique. Putain, j'aurais jamais cru un jour spotter une Isetta. C'est un McLaren 720S qui repasse. Jolie cette GTC4 tout seul. Aston Martin Vantage. Des Porsche en veux-tu en voilà. Des KT en BM en veux-tu en voilà aussi. Donc ça c'est normal, vous entendez. BM et Audi c'est quand même infernal ces marques. Hein. C'est tellement plus élégant le Aston Martin par exemple. Un combo assez original. Alors regardez celle-ci. MG GT Black Series. En jaune là, elle est magnifique. Et donc à côté, alors du coup j'ai pas regardé mais ça doit être une dropette coupée. Incroyable. J'aurais jamais cru un jour shooter, faire du car spotting, choper une Isetta normale, mais alors une électrique encore moins. La merde, encore une Microlino. Rolls-Royce Cullinan, le SUV Rolls-Royce. Petite Lotus Exige, toujours sympa. Ah, il y a une Alpine qui est passée là-bas, là. Allez, hop, je sais pas si vous allez la voir là-bas, en gris, là. Elle revient, la petite Alpine grise. Ça fait toujours son effet, hein, avec les portes levées. Vous savez ce que ça me donne envie de faire? Regardez la petite demoiselle là, à côté, là. Là, tu te mets au volant, tu pars avec. Comme ça, t'as la petite demoiselle à la voiture. Donc là, on a les deux, là, qui sont avec. À l'heure, petite MC20, génial. Alors du coup c'est marrant parce que on va pas être sexiste mais la petite demoiselle elle était au volant donc de la Huracan Spider, elle commençait à faire un créneau et le mec l'Aventador il s'est arrêté, c'est lui qui est venu faire le créneau avec la Huracan. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette Vanquish Jagato. En coupé, alors c'est hyper rare hein, comme voiture, c'est, je sais plus combien d'exemplaires. Mais... Et en plus, elle est dans une configuration, là, ce bleu est vraiment magnifique. Elle est trop belle. Et puis de spotter ça, c'est un truc de dingue. Alors j'étais tellement attiré par la Jagato que j'ai même pas vu qu'il y avait une GTC4 tout seul. Regardez-moi ça, le cadre. On a des villas là qui sont magnifiques. Alors là, de ce côté-là, c'est pas des villas. De l'autre côté, regardez-moi ça. Le cadre est incroyable. Voilà, regardez là, devant une villa, une Ferrari mondiale et une 348. Et regardez la mondiale, elle a des jantes de 348. Je trouve ça magnifique. Alors avant que les gens critiquent, parce que c'est vrai que normalement, ça se fait pas trop de spotter comme ça les voitures chez les gens. Mais j'ai l'autorisation des propriétaires. On retrouve ici une petite Black Series. Donc en orange, très belle. Le Tommaso Panthéon. Petite Lotus Emira. Caterham, on n'en avait pas vu encore. Une vieille Bentley de 24 heures du Mans. Qui doit revenir du rallye. Ouf, voilà. Aston Martin, c'est une DBR, petite three-wheeler, c'est une three-wheeler, oui, à trois roues, mais c'est pas une Morgan, Blackjack, je sais pas trop ce que c'est, Blackjack Camel, bon, j'ai jamais vu ça, petite Mustang qui fait pas beaucoup de bruit, à mon avis c'est un 4 cylindres. Ferrari 430 Scuderia, une de mes Ferrari préférées. Porsche. Décidément, il y en a un paquet d'AMG GT.
J'aime bien la config de celle-ci. Oh putain, Ferrari 250 GT. Wow, incroyable. Ah, ça sent bon l'essence. Ah, cette odeur. Petite Jaguar XK140, je dirais. Pas sûr à 100%. C'est toujours compliqué de faire différence pour ces voitures-là. Regardez l'intérieur. Il est comme neuf, voire je pense même mieux que neuf. Elle est vraiment très belle cette Jaguar. Il y en a vraiment à tous les coins de rue. Là, j'étais en train de me dire, tiens, je vais faire un petit tour vers la plage pour changer un peu des voitures et je tombe là-dessus. Quoi. C'est pas du tout prévu. Viper. On va attendre qu'elle recule, du coup, elle vient de démarrer. Avec les échappements latéraux là. Pas de direction assistée, hein, c'est j'en ai déjà essayé une comme ça, hein, à peu près le même modèle, et ouais, c'est dingue. Alors, toujours dans la même rue, c'était pas du tout prévu, mais un peu plus loin, on a une F8 Tributo, elle est belle. Hein. Alors, le gars avant, il devait avoir une 488 vu sa plaque. Hein. Ah, donc là, les voitures qui reviennent du rallye classique. Alors là, j'ai loupé, Ferrari. Alors j'ai loupé une 275 GTB. Là, j'ai vu, mais je voulais pas filmer. Ah, la Bentley, elle arrache. La Bentley est déjà plus passe-partout, entre guillemets, au niveau du bruit. Alors là, je sais pas ce que c'est. C'est une auto-union, une Audi. Mais ce modèle là je connais pas là. Alors voilà la Ferrari 275 GTB que je vous ai loupé tout à l'heure. Voilà. Voilà, on a une Ferrari à plusieurs millions d'euros qui est là posée au milieu de tout le monde. Une 250 GT California. Ben là, sans déconner, si c'est une vraie, on a pour au moins 30 millions. Tout le monde est autour comme ça. J'ai un doute sur le fait que ça soit une vraie ou pas, parce que le volant, en tout cas, il m'a l'air pas d'origine. À mon avis, c'est un volant en bois d'origine là-dessus. Ferrari 250 GT posé là aussi, incroyable. Alors là nous avons un Puro Sangue qui est posé là en bleu, très belle couleur. Hein. Bon du coup j'avoue que c'est vrai qu'il est sympa hein, quand même. Hein. On a vu un rouge hier, j'aimerais bien le revoir parce qu'en rouge il claquait aussi. Et ouais, il faut une couleur vive. Il y avait une grise exposée ce matin, je vous la montrerai dans la vidéo. Sur Prado, ouais, en bleu déjà c'est plus sympa. Donc oui, comme j'ai dit dans la vidéo du Prado, Ferrari ils ont fait fort parce que c'est pas un SUV, hein. Attention, Ferrari le dit que c'est pas un SUV et même c'est démontré par rapport aux proportions, tout ça, c'est pas un SUV, c'est un FUV. Alors ça c'est l'invention de Ferrari. En fait elle a pas les proportions d'un vrai SUV, donc on peut pas le considérer comme tel. Et là où ils ont fait fort, en fait, bon, c'est un gros coupé, un peu surélevé quand même. Et les portes antagonistes font que ça en fait de plus en plus, enfin, ça en fait un coupé. Et ils ont mis surtout un V12 dedans, atmosphérique, et ça c'est incroyable, enfin, c'est top. Là ils ont fait vraiment fort Ferrari. Moi j'étais le premier à râler quand ils ont dit que j'allais sortir ça, et finalement, bah non, c'est top. Bon, là, du coup, je sais pas si on peut considérer que c'est la concurrence ou pas. Oui, même si là c'est pour le coup un vrai SUV. Donc on a un DBX Aston Martin avec une couleur bien flashy là. Alors là on a carrément une BMW 507. Alors ça c'est une des plus belles voitures du monde et je pense la plus belle BMW qui existe. C'est d'ailleurs celle qui a inspiré le design de la Z8. Là, on le voit très bien. On retrouve la emblématique prise d'air latérale comme ça. Prise d'air qu'on retrouvait un peu sur ma 7.3 hein, finalement. Et l'intérieur, pareil, est magnifique.
Alors là, je vous présente une Mazer Bike donc de Fangio. Voilà, Mazer Bike. En fait, faut pédaler quoi, c'est une voiture à pédale. Bon, apparemment, il y a aussi une assistance électrique. Hein. C'est pour ça que c'est Mazer Bike. Je trouve ça marrant. C'est une Lamborghini à en croise une route. Du coup, je vais vous montrer celle-ci de plus près. La petite Aventador classique. Hein. Je ne sais pas me faire écraser. Donc voilà le dernier V12 atmosphérique chez Lamborghini. Bon, j'avoue que cette GT3 RS elle est quand même méchante. Et avec son aileron énorme d'origine. Ça c'est osé vraiment. Ah, regardez, très original. KTM Crossbow. Avec un moteur Audi. Ferrari et Fit Tributo. Voilà. Oh, ça lui va pas mal. On a quelques voitures du rallye qui reviennent. Puis on avait une Bentley, Jaguar type cabriolet. Une XK 120 ou 150. MGA. Porsche 356. Austin Alley. Il y a un petit groupe là. Je sais pas ce que c'est. Austin Alley. Je sais pas ce que c'est non plus. Porsche 356. Ferrari 246 Dino, des Ferrari équipés d'un V6. C'est joli, c'est BMW 328, j'aime bien. Une Bugatti, alors ça doit être une Brescia celle-ci. On voit la forme de la calandre, un peu particulière. Donc je pense que c'est peut-être une Type 23 ou un truc comme ça, pas sûr à 100%. Maserati 3500 GT. Et regardez tout ce qu'on a, l'alignement là de toutes les voitures qui ont fait le rallye. Ah, une des rares Porsche que j'aime, une 550 Spider. C'est sympa ça. Ça c'est incroyable. Alors là on a une BMW, ça ressemble à une 328. Mais c'est une version coupée, alors je ne connaissais pas ce modèle. Du coup je suis pas sûr que ce soit vraiment une 328. Mais si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Elle est très belle en tout cas. Une magnifique Aston Martin. Alors je sais pas, je dirais que c'est une DB6, mais je sais jamais faire la différence entre DB4, DB5 et DB6. J'ai toujours un peu de mal. Une petite Ferrari 350 GTE de plus 2. Une belle alignée de petits roadsters là, avec des Austin Alley et une 300 SL Roadster. Alors une Mercedes, ça peut être une SS. Allez, un autre Mercedes 190 SL, Jaguar type, enfin voilà. Ferrari 275 GTB, on avait déjà aperçu tout à l'heure. Là, je peux vous la montrer d'un peu plus près. Alors après, nous avons donc ces voitures là où tout à l'heure, je savais pas ce que c'était. Alors en fait, c'est une Alley, pas une Austin Alley, c'est une Alley tout court. C'est sympa, j'aime bien. Une petite Maserati. Je ne sais pas si c'est une Ghibli cabriolet ou un truc comme ça, on va regarder. Ouais, c'est ça. Pas trop mauvais. Elena, arrête de parler maintenant. Mercedes. SLS AMG porte papillon. Enlever ça. 300 SL.
Bentley, Porsche 356, 911, Corvette C2, cabriolet, 356, Romeo, Pemberton. Un petit peu, 190 SL. Qu'est-ce qu'il y a comme Porsche 356? C'est incroyable. Ça, c'est que fait ça. Stimulet. Oh, regardez ça, une Bizzarini. Incroyable. Ça, c'est rare. Ah bah regardez ce qu'il y a derrière. Je commence par une F430 et je finis par une F430. Bon, regardez ce qui passe derrière. J'étais en train de faire ma conclusion et ben voilà, donc pour ce car spotting ici à Knok pendant le Zouk Grand Prix, j'ai l'impression que la vidéo va être interminable. Je sais pas combien de temps elle va durer. Regardez encore derrière moi. Parce qu'en fait, ça arrête pas. Ça arrête pas, voilà, c'est sans arrêt, sans arrêt. Donc du coup il y a toujours des choses à vous montrer. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, là je pense que oui. Si c'est le cas, eh bien surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos. Et on se retrouve à très bientôt sur Twitter Zingue. Salut.